Au titre de l'année 2013-2014, le CAFOP de Gagnois a formé près de 600 élèves maîtres sur les 8000 recrutés. À travers cette mission, il entend prendre une part active dans la politique de formation de base afin d'assurer la relève du pays en ressources humaines de qualité. C'est ce qui justifie la sortie de la 37e promotion d'élèves maîtres baptisée promotion Louis-André Dacoury-Tablé. La sortie de ces futurs enseignants a été marquée par une conférence publique sur le thème « Les instituteurs et les symboles de l'État » prononcée par Bema Koulibaly, sous-directeur au ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Il a instruit les futurs maîtres sur la valeur civique et citoyenne contenue dans les symboles de l'État, notamment le drapeau, l'hymne national et les armoiries. Le parrain de la cérémonie a demandé à ses filleuls d'être rigoureux dans le travail et de s'éloigner de la corruption qui gangrène l'école ivoirienne. La remise de flambeau à la 38e promotion, de diplômes de reconnaissance à plusieurs invités et la distinction de certains agents du CAFOP pour service rendu ont mis fin à la cérémonie.